L'Arabie Saoudite, c'est un championnat qui est en train de monter en puissance. Alors, à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Arabie Saoudite, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est fort, on est parti. Alors, les gars, l'Arabie Saoudite est vraiment en train de déplumer le championnat européen. Ils ont pris Cristiano Ronaldo. Tout le monde s'est dit, ah, c'est Cristiano Ronaldo, il est déjà âgé, il est vieux, etc. Donc, s'ils prennent Ronaldo, c'est insignifiant. Après, on a vu des joueurs comme les Mahrez partir là-bas, on a vu des joueurs comme les Sékou Fofana partir là-bas, on a vu des Brozovic partir en Arabie Saoudite. Et récemment encore, on voit Sadio Mané. Donc, ça prouve vraiment que les gars. Ça prouve que c'est un championnat qui est en train de monter en puissance. Lorsqu'on voit l'équipe de Al Nassr, les gars, c'est une équipe qui est très compétitive. Ça peut rivaliser avec l'équipe européenne. C'est des équipes européennes, ça peut rivaliser. Parce que sur le papier, c'est du très costaud. Tu as Sékou Fofana et Brozovic au milieu. Tu as Cristiano, tu as Mané. Franchement, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Donc, l'Arabie Saoudite, mais je pense quand même que le championnat européen. Et au-dessus, je ne vois pas l'Arabie Saoudite détrôner le championnat européen. Je ne vois vraiment pas. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que l'Arabie Saoudite va détrôner le championnat européen? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.